Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Kinderkill. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave, pourquoi? Parce que c'est une vidéo d'excuse. Une vidéo pour vous demander pardon. Pardon pourquoi? Non pas comme la miniature pourrait l'indiquer, l'abandon du projet Company of Cube, hein, ça jamais a de la vie. Mais tout simplement parce que... Ceci... Comment je peux mettre ça? Ceci, actuellement, me bouffe toutes mes heures que j'ai disponibles, c'est juste insane. Donc bref, trêve de blagounette, trêve de plaisanterie. Bonjour à tous les amis, c'est Kinderkill, comme vous le savez. Je suis l'administrateur du projet Company of Cube, donc est un projet Minecraft RPG, et ça demande énormément de temps, que ça soit en développement, en réflexion, en test, en construction, et énormément de choses que vous pouvez même pas imaginer le temps que ça prend de travailler sur ce projet. Et vous savez qu'avant tout, je suis un grand joueur de jeux vidéo. Ces derniers temps un peu moins parce que tous les jeux vidéo me branchaient vraiment pas trop, j'avais des jeux vidéo qui étaient vraiment bof bof, et j'attendais avec impatience la sortie de World of Warcraft Battle for Azeroth, la sixième extension, alors attendez, 1, 2, 3, ouais, sixième extension de World of Warcraft. Donc vous savez que moi j'adore jouer à World of Warcraft, j'ai adoré Légion qui m'a fait vraiment découvrir WoW et qui m'a fait vraiment donner l'envie de tryhard un peu plus le jeu. Et du coup, Battle for Azeroth, j'ai pu faire le début d'extension avec un très bon ami à moi, Rolize. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un beau jeu à toi. Et je joue énormément à WoW en ce moment. Le peu de temps libre que j'ai, je joue à WoW. Je pensais que ça allait durer quelques jours, mais il faut savoir que l'extension est génialissime. J'ai jamais autant pris de plaisir à jouer à un jeu depuis très longtemps. La dernière fois, ça m'était pas arrivé depuis des lustres. Je devais arrêter de jouer vers 2-3 heures et il y a Valdar qui était là en ligne et au final j'ai joué avec lui jusqu'au final 8h30, 9h du matin, et ça m'était pas arrivé depuis un bon nombre d'années, et je retrouve des sensations de jeu, des sensations de plaisir que j'avais pas eu depuis Call of Duty. Je pense Call of Duty des lignes blanches avec des bons amis à moi. Je me fais pas mal de connaissances sur le jeu, vu que c'est le début, les gens sont à peu près au même niveau, donc on peut tryhard être un petit peu au-dessus des autres. C'est pour ça que ça me pousse à jouer et à avoir le meilleur stuff possible, à monter les métiers, etc. Enfin bref, juste pour vous dire que là, je pars en vacances quelques jours, 5 jours. Ensuite, je reprends mon planning de travail, donc je reprends d'après-midi, donc ça va être très dur de vous refaire du contenu sur Company of Cube. Mais je vais reprendre, là du coup ça fait une semaine que je sèche WoW littéralement. Pour vous dire, en une semaine, je dois être à 35, 40, je dois être à 40 heures de jeu en une semaine, sachant que je travaille en plus de ça, donc ça doit faire une moyenne de 6-7 heures par jour. Non, pas du tout. 7 jours. Oui, c'est ça, sachant que j'ai un jour et j'ai pas pu jouer. En 6 jours, je suis à 40 heures de jeu. Donc voilà, je dois être à une moyenne de 6-7 heures par jour. En plus du travail, donc je veux dire que du coup j'ai pas du tout le temps pour Company of Cube. C'est pas que j'ai pas l'envie, c'est juste que j'ai juste envie de jouer à WoW et j'ai rien envie de faire d'autre actuellement. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite vidéo pour vous dire que voilà, je suis désolé qu'en ce moment il n'y a aucune information, aucune news, aucun tweet, aucune vidéo, aucun post, rien du tout, même Bioshock, j'ai tout mis en pause, je fais que de jouer à WoW. Là je vais partir en vacances, ensuite je vais reprendre le travail, et je pense que quand je vais reprendre le travail en revenant des vacances, je vais me remettre un petit peu à jouer à Company of Cube. À finir la construction de l'île notamment, et ainsi le scénario de quête que j'ai commencé à écrire. Et je vais pas vous spoil, mais je suis déjà très bien parti. Le fait que du coup de jouer à WoW me donne énormément d'idées au niveau de l'histoire et des quêtes, de noms de PNJ, de musique à prendre, et du coup c'est aussi du bon. Donc bref, voilà, petite vidéo informative pour vous dire pourquoi en ce moment il n'y avait pas grand chose, pourquoi il n'y avait pas de vidéo tuto, pourquoi il n'y avait pas de vidéo Bioshock, pourquoi il n'y avait pas de vidéo Company of Cube, ni de tweet, ni de post Discord. Je continue toujours à aider par contre ceux qui sont sur le Discord d'aide pour ma série tuto. Je suis toujours en train d'aider les gens. Si vous voyez que je réponds pas à votre message, n'hésitez pas à me notifier, parce que des fois je reçois beaucoup de messages à droite à gauche, donc souvent je regarde votre message, je réfléchis, au final j'oublie d'y répondre. N'hésitez pas à me notifier. Ou à me relancer quelques heures plus tard, voire quelques jours, et non pas la seconde qui suit, parce que ça y en a qui à 3h10 du matin m'envoie un message et à 3h11 me renvoie un même message, sachant qu'ils ne savent pas que du coup moi je travaille et que du coup je dors la nuit pour pas me lever et ne pas être trop fatigué. Bref, c'était Kinderkill, je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances, une bonne rentrée, parce que je pense que quand vous aurez de mes nouvelles, ça sera pour la rentrée, parce que du coup je reviens le 26, j'attaque le boulot, donc oui. Pour la rentrée, je vous souhaite à tous bon courage pour cette fameuse rentrée, elle sera dure pour tout le monde comme d'habitude, hein. Le début septembre c'est toujours dur de se remettre dans le bain. Je vous souhaite de passer une excellente journée, donc cette vidéo sera postée le 21, vous n'aurez pas de mes nouvelles avant le 26, parce que je pars et je coupe tout, parce que c'est le but des vacances.
Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. La qualité de la vidéo est assez jolie parce que je filme avec un appareil photo, mon dieu. J'ai investi dans un appareil photo parce que j'adore prendre des photos de tout et vu que je pars en vacances, j'aime bien prendre des photos à droite, à gauche et du coup le smartphone ne me suffisait pas et du coup j'ai investi vu que j'ai les moyens de m'acheter un bel appareil photo et du coup je teste la vidéo de celui-ci, de cet appareil. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que la qualité est jolie. Sur ce, je vous fais des bisous pour la 50e fois. À la prochaine pour de nouvelles aventures, ici ou ailleurs. Bye.